L'actualité municipale, on parle d'un... La rentrée scolaire 2023 a été un peu particulière au cégep de Jonquière. Un important chantier est en cours à l'École supérieure en arts et technologies des médias. C'est des travaux qui sont quand même assez majeurs. Les roulottes derrière, en fait, servent pour relocaliser 3 classes, plus de théorie un petit peu, puis un laboratoire de pratique pour le journalisme. Des espaces à l'intérieur même du cégep ont été réorganisés, eux aussi. On a également déplacé des bureaux d'enseignants dans la tour Manic. Ça sera là en permanence. Il a d'abord fallu faire ça, donc des nouveaux bureaux. Il y a aussi des nouveaux espaces pédagogiques dans la tour Manic. Il a aussi fallu faire de la mise aux normes, enlever l'amiante, par exemple, du côté du Manic. Les roulottes, qui ressemblent en tout point à des classes normales, mais dans un format plus réduit, ont été installées pour éviter que les étudiants et les enseignants soient dérangés. C'était surtout pour qu'ils ne soient pas à travers les travaux avec le bruit à gauche et à droite. Faire une entrevue quand il y a des bruits, c'est moins intéressant. Fait qu'en les relocalisant, ça lui donne un environnement qui est plus intéressant. Et les lieux d'apprentissage risquent d'être encore plus intéressants lorsque le chantier sera terminé. Les locaux sont en agrandissement dû au nombre d'élèves qui est en constante augmentation depuis environ 5 ans. D'importantes sommes seront aussi investies pour réaliser des mises à niveau technologiques. On parle de 3 millions en équipements supplémentaires qu'on acquiert, donc beaucoup en cinéma, en caméra, en éclairage, tout ça. Du côté de communication dans les médias, bien, on change toutes les consoles de radio pour un 700 000 qui va arriver au printemps prochain. Entre 250 et 300 000 pour le programme de production 3D qu'on va ajouter dans des laboratoires informatiques. Vous savez, les équipements en ATM, c'est des équipements super spécialisés, fine pointe de la technologie. Donc, ce sont des équipements qui coûtent quand même assez cher. Alors, il faut installer ça. Si tout va comme prévu, le chantier devrait être complété en décembre 2024, après quoi les étudiants auront accès aux nouvelles installations revampées. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay.